une autre émission de La Voix du succès. Comment ça va, Audrey? Ça va super bien, pleine forme. Toujours belle. On sent qu'on t'a pas vu, là. Ben oui. As-tu me manqué, ta barouette? Moi aussi, tiens. Yeah! Aujourd'hui, sur le plateau, notre invitée, Laurence Boisdeau, qui est fondatrice de la collection, en fait, de Homorphia Diffusion. Bienvenue, bienvenue. Oui, bonjour Patrick, bonjour Audrey. On est quatre sur le plateau, aujourd'hui on est cinq. Mais regarde-moi, je regarde la finition, c'est impeccable, c'est vraiment du haut de gamme. Hein? Oui, très, très haut de gamme. Ben, au niveau d'Homorphia Diffusion, c'est quoi l'élément déclencheur pour la marque? Ben, l'élément déclencheur, c'est que je suis vraiment passionnée par la mode et l'esthétique. Et donc, avec Homorphia Diffusion, j'ai voulu apporter aux femmes ce qui se faisait de meilleur. C'est du haut de gamme. Du très, très haut de gamme, oui, tout à fait. Et au niveau de la collection, au niveau de la marque, est-ce que ça s'adresse à tout type de femmes? Oui, oui, tout à fait. Toutes les femmes peuvent trouver leur bonheur dans nos collections grâce aux grandes tailles que nous proposons, mais également aux différentes coupes de soutien-gorge. Mais quand vous dites là, haut de gamme, parce que moi, je suis pas un expert en brassière, en tout cas, j'en porte pas personnellement, mais je peux pas voir la différence entre du haut de gamme et du... Expliquez-nous, c'est quoi exactement? Oui, tout à fait. Ben là, c'est la finition, la dentelle, oui, c'est quoi? C'est une fabrication exclusivement française, réalisée par une centaine de corsetières qui travaillent avec des matières les plus nobles, de la dentelle de Calais, des broderies suisses, des imprimés italiens. Donc toujours des modèles très tendances qui répondent aux demandes des femmes. En fait, c'est un peu ce qui fait de la marque Alland qui la différencie des autres sur le marché? Tout à fait. C'est vraiment... nous avons la chance de distribuer une marque avec le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, donc qui est une marque de reconnaissance de l'État pour récompenser les entreprises au savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. La mission, si on pouvait... parler de la mission de Homorphia Diffusion, oui, Laurence. Oui, c'est une des plus belles missions, c'est celle d'habiller le corps des femmes. Ah oui! Tout en respectant la qualité. Ah oui, mais nous, on les aime les habiller, voilà. Respecter la qualité et le confort toujours. C'est facile, parce qu'habituellement, je suis pressée, là. Ah oui, non, mais nous, on va rester toujours un brin sexy, mais jamais vulgaire. Ah, et voilà. Il faut prendre notre temps. Et voilà. Ça se défait-tu par en avant ou par en arrière, ça? Là, c'est par l'arrière, mais on en a, c'est devant. Des fois, c'est par en avant, des fois, c'est par en arrière. C'est correct, ça. Ah, je te jure, il est bête, hein? Il faut pas... Laurence, est-ce qu'on peut parler des morceaux les plus populaires et d'expliquer un peu ce qui se retrouve sur nos mannequins avec nous sur le plateau? Oui, tout à fait. Donc, nous avons la première ligne Soleil Noir. Oui. Nous avons également la ligne Beauté Sauvage. Par l'imprimé, hein? Ça se voit, c'est quoi? Ben c'est du python? Oui, imprimé python, tout à fait. Okay. Donc là, on a de la dentelle de Calais, des broderies suisses, de la très, très belle qualité. Et si on regarde au bas, c'est Océane. Vague Océane, voilà. Donc, on est vraiment les trois modèles. C'est un costume de bain, ça, c'est quoi exactement? Non, pas du tout. Et ça ressemble à un costume de bain. Si vous regardez, il y a un petit détail très, très sexy, très joli. C'est une petite pierre fine, très jolie. Qu'on va mettre deux seins. Voilà. Oui, voilà. Ben oui. et également, à travers Homorphia Diffusion, on peut également, là je m'adresse aux femmes qui nous écoutent, on peut également en fait avoir sa micro-entreprise. Oui, tout à fait. Nous recrutons donc des conseillères lingerie, mais également des conseillères beauté, sur tout le Québec. Donc c'est une véritable chance de pouvoir monter son entreprise. Donc il y a des femmes qui pourraient faire ça, inviter d'autres femmes à la maison, puis voilà, parler de brassière, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà, donc vous allez organiser un atelier, ça va être vraiment très, très, très intéressant pour vous. Ouais. Au niveau de... Nous avons un plan de rémunération très intéressant, donc première source de revenus en lien avec votre atelier, vos ateliers, votre performance. C'est une micro-entreprise, hein, c'est voilà, tout à fait. Puis une deuxième source de revenus qui va être en lien avec l'équipe que vous allez monter, donc que vous allez emmener vers le succès et ensuite vous aurez un pourcentage. Absolument. Donc deux sources de revenus, donc c'est des revenus nos limites, sans limite. Donc, on aime ça. Oui, les formations en tout cas, sont géniales aussi. Beaucoup de clients. Parce qu'il y a pas mal de femmes qui portent des brassières. Oui, mais ils sont géniales. En fait, la lingerie, là, elle est super.
J'ai dépensé beaucoup. Ah ouais? Ben, en fait, Laurence, je voudrais souligner parce qu'il y a beaucoup, pour en revenir au fait du micro-entreprise, il y a énormément de femmes qui se sont dépassées, des femmes qui étaient à la maison, qui voulaient avoir des nouveaux défis, oui, des femmes tout... aussi, qui, parce qu'on peut avoir des rendements qui est propre à nous, finalement. Oui, oui, tout à fait. Moi, en formation, j'ai vu des femmes qui se sont vraiment épanouies, qui se sont vraiment révélées dans cette profession. Ça peut être une femme qui a des enfants qui va faire ce travail quand les enfants sont à l'école. D'autres, ça va être des femmes à la retraite qui vont vouloir sortir un petit peu de la maison. Et puis, ça peut être aussi des femmes qui veulent vraiment, c'est un vrai métier, donc qui veulent monter leur équipe et vraiment se révéler dans cette profession. Ben oui. Ils ont du support, du coaching, et en fait, les deux s'emboîtent parce qu'à travers Homorphia, on peut et avoir le volet au niveau de la lingerie et on a le volet aussi au niveau des cosmétiques dermocosmétiques. Voilà, tout à fait. Elles peuvent distribuer la lingerie d'un côté, les cosmétiques de l'autre ou les deux. Mais c'est génial! Mais c'est génial, on leur apporte vraiment tout ce qu'il faut pour l'univers féminin. Y a-t-il des hommes qui peuvent assister aux réunions aussi? Oui, tout le monde! Moi, je serais pendant longtemps là. Et vous savez, oui, les hommes sont toujours très performants et très... Oui. Très, très fort. C'est ça. Dites-moi, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un Facebook, un site Internet? Oui, on a une page Facebook, donc c'est à Londres de Lingerie Canada. Okay. Et puis sinon, c'est homorphiadiffusion.ca où vous pouvez nous rejoindre. C'est vraiment le fun. Ben, merci beaucoup d'avoir venu à l'émission. Merci à vous. Merci Laurent. Je ne manquerai pas. Donc, toutes les femmes, j'annonce ça au public, si vous voulez partir votre propre entreprise, on encourage. Homorphia Diffusion. Homorphia Diffusion. Puis vive les brossières. C'est bon, un faux rire un peu dans la vie, Sylvie. Parfait. Okay, nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochaine invitée, sans brossière. Peut-être avec une, on va voir. Je suis là, sinon.